Zetian, né en Chine, le 17 février 624. Ma fille, je t'ai ramené plein de livres. Merci, papa. Wu est une petite fille d'une rare beauté. Et intelligente. À 12 ans, elle est propulsée dans la carrière la plus prestigieuse pour une fille de cette époque. Concubine de l'empereur. Oh, tu parles d'une réussite. Tu sais lire, toi. Et écrire, en 5 langues, pourquoi? Gaozong, le fils de l'empereur, n'est pas indifférent à son charme. Allez, je te promeus secrétaire. Voilà, ça c'est passionnant. Mais à la mort de l'empereur, en 649, Wu et les autres concubines sont envoyées dans un monastère. Pour toujours? Wu? Gaozong, mais qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas te laisser ici. Alors, maintenant que tu es empereur, ramène-moi au palais. À votre service. Mais tu veux vraiment faire passer cette loi? Oh, non, mais tu penses vraiment qu'à ça, hein? Gaozong, n'oublie pas, c'est moi ta concubine préférée. Tu permets, là? On ne peut pas gouverner comme ça. Je vais prendre les choses en main. Alors, c'est qui la bosse de la politique? 17 ans plus tard, l'empereur meurt. Mes fils, je dois choisir entre vous deux le nouvel empereur. Toi, tu seras parfait. Et toi, hors de ma vue. Qu'est-ce que tu penses de ce décret? Quoi? Vas-y, maman, tu le feras mieux que moi. Wu Zetian devient la première et unique impératrice de Chine. Il était temps. J'ai une dynastie à mettre en place, moi. Il y en a marre des bonnes femmes au pouvoir. Pardon? Vous avez dit quelque chose? Non. Allez, place au nouveau talent. En 690, Wu fonde sa propre dynastie. Que tous ceux qui ont des idées pour le pays s'expriment. Vous avez tous le droit. Mais toi aussi, tu peux. Il faut écrire 12 décrets favorisant le droit des femmes. L'éducation, c'est pour tout le monde. Même pour les filles. Il faut améliorer vos conditions de vie. Ton projet de statut, je le finance. Ah, en revanche, il ne me reste plus rien pour la guerre. Viens là, mon fils. Désolé, tu dois y retourner. En 705, à 81 ans, Wu rend le pouvoir. La dynastie de Wu fut l'une des plus prospères de l'histoire de la Chine. L'ambition, c'est pas réservé aux hommes. Surtout quand c'est pour le bien de son peuple.